Les alouates, alouata, singes hurleurs ou hurleurs, sont un genre de singes du Nouveau Monde d'Amérique tropicale. Il y a trois espèces de singes hurleurs. Le singe hurleur noir, Alouatta carea, est une espèce de primate néotropical. C'est le singe le plus austral et le plus grand d'Amérique. Il est aussi l'animal le plus bruyant du monde avec un cri qui peut être entendu jusqu'à 4,8 km. Le hurleur brune, Alouatta guariba, est un singe hurleur ou alouate, qui vit dans les forêts du sud-est du Brésil et de l'extrême nord-est de l'Argentine. Il vit en groupe de 2 à 11 individus. Malgré son nom de hurleur brune, il est de couleur variable, certains individus pouvant même présenter une couleur en grande partie rouge, orange ou noire. Le hurleur roux, Alouatta siniculus, est une espèce de primate néotropicale. Son nom générique vient de la puissance de ses cris qui peuvent être entendus jusqu'à 3 km. Il ne doit pas être confondu avec Alouatta macconnelli, souvent appelé singe hurleur roux, baboon, en Guyane, dont l'aire de répartition est plus orientale. Il constitue la sous-famille des alouatinés dans la classification classique. Ce groupe ne comprend qu'un seul genre Alouatta d'espèces vivantes. Notre conception de leur position sur l'arbre phylogénétique a changé avec les récentes études sur l'ADN de ces animaux. Ces changements ont été validés par le Congrès d'Orlando, Floride, en 2000, et dans la classification admise, les alouates sont alors considérées membres de la famille des Atelida. Leur pelage est dense et long. Leurs couleurs varient selon les espèces, hurleur roux, hurleur noir, hurleur brune. Ce sont les seuls platyriniens à bénéficier de la vision en trichromie 1. Il existe plusieurs espèces comme singe hurleur à manteau, hurleur à main rousse, hurleur brune, hurleur roux, hurleur noir et le hurleur du Guatemala. Ce singe mesure 50 à 70 cm avec la queue préhensile qui est nue comme une main et aplatie à son extrémité. Il s'en sert comme d'un cinquième membre pouvant soutenir la totalité du poids de son corps, soit environ 15 kg. Il l'utilise surtout pour se caler quand il se nourrit. Les singes hurleurs sont herbivores et frugivores. Les femelles peuvent avoir un bébé à 36 mois et les mâles à 42 mois. La femelle peut avoir un petit et il faut compter environ 186 jours de gestation. Ce singe hurle chaque matin, on l'entend à environ 4,8 km, et quand il combat avec d'autres singes hurleurs, ils se battent à coups de hurlements. L'os hyoïde de cette famille présente une particularité très franche avec une hypertrophie en gobelet qui entre pour une part dans la production sonore très particulière qui a inspiré le nom vernaculaire de singe hurleur. Un clan de singes est composé d'environ 2 à 7 membres avec généralement 1 à 2 mâles pour 5 à 6 femelles. On retrouve les différentes espèces de singes hurleurs en Amérique centrale et Amérique du Sud. Les singes hurleurs et folivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent surtout de feuilles et occasionnellement de fruits. La période de reproduction s'étend sur toute l'année mais généralement entre août et octobre. En général, les singes hurleurs noirs n'ont qu'un petit par portée. La durée de gestation est de 6 mois, puis 6 mois de lactation et enfin 1 an d'apprentissage pour le petit avec sa mère. Pendant cette année, jusqu'à 2 à 3 mois, le petit reste accroché au ventre de sa mère puis va commencer à passer sur le dos et apprendre petit à petit à manger et se déplacer seul. «
Dans la nature, ils ont une longévité de 15 à 20 ans dans la nature, aux soins des humains, ils peuvent aller jusqu'à 20 ans. Parmi ces prédateurs se trouvent le jaguar et les oiseaux de proie, aigle féroce, l'homme étant le pire de tous. Premièrement par le biais de la déforestation mais également à la suite d'un commerce illégal où les braconniers n'hésitent pas à abattre les jeunes mères afin de récupérer les petits nés récemment pour les revendre à des particuliers. Les singes hurleurs actifs par nature, ils vivent en groupe de 7 individus en moyenne. Chaque groupe de singes hurleurs a un mâle dominant et une femelle dominante. Le mâle est le mâle le plus fort et ne sera là que pour copuler avec les femelles du groupe. La femelle dominante sera celle qui va décider si tel ou tel singe a le droit d'entrer de rester dans le groupe. C'est aussi elle qui décide l'exclusion d'un des membres du groupe. Il vit la majorité du temps dans les arbres et descend rarement au sol. Pour protéger son territoire, il pousse un cri qui peut être entendu jusqu'à 16 km. Cela permet ainsi d'éviter les conflits entre plusieurs groupes. C'est aussi pour cette raison que l'on dit que le singe hurleur est le plus diplomatique des singes. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.